Yo tout le monde, c'est pas juste que vous êtes là, parce que c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui les amis sur l'exceptionnelle carrière de MB2K17 avec le petit Pafou des familles, notre petite arrière. Et rappelez-vous, on s'est entraîné avec le petit Justice des familles, on a été drafté au Sacramento. Donc on va continuer notre aventure les amis. Alors apparemment, octobre 25, nous avons une journée de repos donc affichée. On peut, ah là là là, j'adore ça déjà, j'adore aller à l'entraînement. On peut prendre une barre, non on peut faire une apparition au bar protéiné, je sais pas quoi. Aller sur un terrain d'entraînement ouvert, traiteur MFS ou terrain d'entraînement. Donc nous les amis, on n'est pas encore là pour faire du bif, même si ça pourrait être plutôt intéressant pour évoluer un petit peu, si tu vois ce que je veux dire. Mais nous, on veut suer les amis, on veut progresser, on veut être le meilleur les amis. Donc du coup, on va à l'entraînement frérot, let's go. Ok les potes, on est donc arrivé à la salle d'entraînement, alors qu'il n'y a absolument aucun son, si apparemment il y en a. Donc ok, wouh, le petit dunk des familles. Donc vous avez vu que j'ai rajouté quelques petits trucs sur mon personnage, sur mon petit pafouille des familles. J'ai rajouté des petites protections au niveau de la jambe droite et du bras droit avec des petits tatouages. Oh, il y a notre pote qui arrive. Yo, bien ou quoi la famille, tranquille. Oh, somebody left the security detail at home. Told them to take the morning off while I get in early, get some shots up. What you working on? Working on my jump shot. Nah, but you're not doing anything. Not doing anything. Getting a nice little sweat in. Got up nice and early. Look, I live in the gym. Nah, that's not what I mean. When you come in the gym, you gotta be focused. You gotta have a focus when you get in the gym. Yeah, I'm focused on the shot. Nah, but what kind of shot? Are we talking about our mid-range? Are we talking about our three-point? Are we talking about our corner three? Are we talking about the post that you love so much? Okay. You know what I'm saying? Yeah. All of it. You know what? I'm gonna put you through a real workout. All right. We'll lace them up, Justice. Ok bro, bon il va nous préparer un petit entraînement des familles, donc écoute, on va s'entraîner, ça va être plutôt sympa, du petit dunk des familles. Bon évidemment j'aimerais bien améliorer un petit peu mon de dunk, vous avez encore la barre juste au-dessus. J'adore ces petits dunk des familles, ok qu'est-ce qu'il veut? Alors voulez-vous qu'on tire quelques 3 points? Écoute, vas-y, bon après les 3 points c'est pas ma spécialité, mais bon écoute, si ça peut nous faire progresser, hop, allez let's go. On va essayer d'en mettre quelques-uns, hop, et de 1 frérot. Ah c'est qu'il faut que je prenne mon rebond en plus. Ah c'est qu'il faut, faut que j'en tire 20. Putain mais mec, ok, qu'est-ce qui se passe? Bon, tu tires ou quoi? Oh, je suis obligé de lui donner. Ah d'accord, c'est qu'on s'entraîne ensemble, mais oui. Ok, donc en fait c'est un score d'équipe, putain c'est cool en fait, on chope chacun notre rebond les uns après les autres. Et on doit donner le ballon à l'autre, ok, c'est super cool. Franchement je trouve ça hyper fun, c'est vachement, vachement interactif du coup je trouve. Ah, petite façon qui encore, wouh, funky bro. Ah, dommage, il loupe. Résultat or, nice! Une petite médaille d'or, bien! Score 9, putain, bien! Hop, du coup, on a la barre de travail qui a bien augmenté. C'est cool, oh, c'est cool, franchement. On commence ces vidéos sur Malmaka avec pas mal d'entraînement, mais ce qui est vraiment kiffant, c'est toutes ces interactions que je trouve vraiment superbes. Voulez-vous vous entraîner au tir à mi-distance? Vas-y, frérot, on y va, let's go! Ok, donc on doit enchaîner les tirs comme juste avant. On est le meilleur, mon pote! On est le meilleur! Regardez ça, on enchaîne tout! Ben oui, mon gars, on enchaîne tout, t'as cru quoi? On est le top du top! Boum, le perfect! Résultat argent, what? Mec, j'ai le résultat d'argent, j'en ai presque pas loupé un seul, frérot! Bon, en tout cas, ça a bien augmenté encore. On est presque au maximum. On va aller au maximum, les mecs. On va voir si on peut aller à la salle de muscu, ce genre de choses-là. Franchement, je kifferais y aller. Oh, yo, yo, j'adore. Ok, donc on a les rebonds sautés. On va essayer de faire les rebonds sautés, les potes. Chose que je n'ai absolument pas réussi à faire sur l'NBA 2K16. Est-ce que je vais y arriver sur NBA 2K17? Je ne sais pas. Allez, hop, on saute. On descend. Et c'est foiré. Bravo. Alors, les amis, je compte sur vous pour me donner des conseils sur cette activité-là dans les commentaires parce que je n'y comprends absolument rien. Absolument rien. Ok, le test des yeux. Allez, let's go, les gars. Concentré. Attendez que le voyant salue. Oui, je sais. Attends, tu m'as plus pour un noob ou quoi? Allez, 1. Dépêche-toi, là haut droite. Allez, là haut gauche. Mais pas lui, tête de nœud. Voilà. Allez, les mecs, en bas. Mais pas lui, mais c'est un trou du cul, quoi. Allez, les mecs, concentrez, là haut à droite. Voilà. On est le meilleur, mon gars, on est le meilleur. À gauche. Mais non. Mais il est un petit peu bizarre aussi, là. Je pense que. En fait, ça va plus vite dans sa tête que... Enfin bref, tu vois ce que je veux dire? Non, pas du tout, c'est pas grave. Voilà, ça c'est bien, frérot. On continue, voilà. Et c'est fini. 10 petits points, on a quoi comme médaille? Alors, exercice main-œil. Alors, 30 secondes pour toucher autant de lumière que possible avec la touche ou pendant qu'elle s'allume. Ok, toucher la lumière vous donne un point. Je m'en bats les couilles, on va se débrouiller. Let's go. Faut, à mon avis, il faut appuyer sur la touche au bon moment. Ok, B. A. Y. Merde. X.
X. Mais non, mais j'ai dit X. A. Y. B. B. Je suis trop fort, mon gars. X. B. Y. A. Y. Apprenons les chiffres. Les chiffres avec The Pafouille, les mecs. B. X. A. B. B. Oh là 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 là, mais qu'est fait cet homme? Il est incroyable, The Pafouille. Il est incroyable. Oh là 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 là. La connexion entre ses bras, c'est... oh mais attends, je parle peut-être un petit peu trop vite, mais non! La connexion entre mon... mais non! Ma connexion entre... mais non, bon, on en a fait 29. On en a fait 29, les mecs, ok? C'est pas dégueulasse. C'est pas dégueulasse, j'ai envie de te dire, ok? Bon, ça nous donne quoi? Est-ce qu'on a des attributs? Est-ce qu'on a un petit cadeau? Je sais pas. Plus ça, réactivité, bien! Vous avez vu, franchement, les entraînements, ça paye vraiment bien. Je trouve ça hyper cool, les mecs. Je trouve ça hyper cool, franchement. On a gagné un petit attribut grâce à ça. Donc, on a l'échelle d'agilité. Ok, vas-y, on y va, hein. Écoute. Qu'est-ce qu'on va faire? Vas-y, alors. Testez votre agilité en appuyant aussi vite que possible sur les touches qui s'apparaissent à l'écran. Ok. Ok. Allez, B. A, merde. C'est quand que ça appuie? B. Y. A. Y. Il a un peu une tête de cul, notre bonhomme, là, non? Y. X. B. C'est bon, on l'a fait, là. Résultat, bronze. Bon, on s'est débrouillé. J'ai mis un petit peu de temps à comprendre, tu vois. Mais franchement, je kiffe. C'est pour notre détente, les mecs, 34-4. Allez, les gars, saute! On a fait mieux, là, non? 34-9, mais oui, mon gars. Allez, on peut encore faire mieux. Saute! Là, on a fait mieux encore. Mais oui, les gars, 36-9, allez! Le résultat, petit tour des familles, allez! Ça nous a donné quoi? Est-ce qu'on a gagné un attribut? Moi, je veux des attributs, je m'en bats les steaks. Bon, on va faire du développé couché, allez, ok. Bon, on a notre pote qui vient nous aider, le petit Young. Alors, juste avant que ça touche la poitrine, faut que je remonte, en fait. Ok. Un petit peu de développé couché, on doit être à peu près à 50 kilos, je pense. Donc c'est pas beaucoup, c'est pour faire les pecs un peu, tu vois. Allez, mec, let's go. Allez, on descend. Voilà. Voilà. J'ai fait ça toute ma vie, mon gars. Et hop, mon gars. Le petit muscle des familles, tu vas faire quoi? Et hop, mon gars. I'm the best, mon gars. Rajoute du poids, c'est trop facile. Rajoute du poids, mec, et mets au moins 50 kilos de plus, là, franchement. Tu me regardes derrière moi, mais c'est parce que tu t'ennuies. Hop. Pourquoi? Mais c'est bon, j'arrive. Ah, ok, il me soutient, ok. Donc, ah, on a notre pote, il nous aide, voilà. Allez, on continue, mec, encore deux. C'est dans la tête, ça. C'est dans la tête, mon gars. C'est comme à la salle, mon gars. C'est dans la tête, tout petit dernier. Allez, on finit notre série, ça. Allez, c'est dans la tête, mon gars. Congestion, poteau. Mais oui, mon gars, on est trop fort, poteau. C'est les pecs, frérot. C'est pour qu'on fait les pecs, frérot. Résultat, or, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai fait ça toute ma vie. Bon, par contre, on n'a pas gagné d'attributs. Hop, allez, on va faire du squat. Alors là, ça rigole moins. Parce que le squat, messieurs dames, pour ceux qui ne connaissent pas, ça fait mal au cul, ça fait mal aux cuisses, ça fait mal aux ischios, ça fait mal partout. En gros, quand vous faites du squat, vous avez fini du squat, si vous n'avez pas mal partout à la partie basse de votre corps, c'est que vous l'avez pas très bien. Allez, let's go. Alors, faut qu'on s'arrête à peu près à 90 degrés. Bon, par contre, Young, c'est maintenant qu'il va falloir que tu mettes parce que le squat, c'est chaud. Ok, donc faut que ça, on s'arrête à peu près à 45 degrés. Allez, descend. Voilà. Tu vas te faire mal. Allez, et remonte. Oh là là là, je kiffe les mecs. Descends, remonte. Allez. Oui, voilà, c'est bien, c'est ça qu'on veut. C'est dans la tête, frérot. Par contre, on doit faire une scène combien? Ah, le con, il s'est loupé. Endurance, ok, on a gagné un d'endurance quand même, c'est bien. On a gagné un d'endurance, les mecs. Franchement, je love, les mecs. Bon, étant donné que notre bonhomme doit être un petit peu plus crevé, on peut recommencer en fait les ateliers de squat, etc. Mais étant donné que, voilà, après notre bonhomme, faut gérer sa fatigue sur ses jours de repos. Alors, si c'est pour que je sois totalement cramé, c'est déconseillé, tu vois. Un petit peu de soulevé de terre, les mecs. Alors, on reste appuyé et juste avant que ça touche notre poitrine, on lâche. Bon, tu prends, allez, un petit peu de soulevé de terre. Allez, je suis appuyé là. Allez, je suis appuyé. Allez, voilà. Bien joué ça, on reprend. Je crois que je me suis foiré en fait. Échec, merde. Je me suis foiré.
Et voilà les potes, on a gonflé les pecs, on a gonflé les bubis, on a tout fait péter les potes avec les petites barres des familles. Donc c'est la fin de la vidéo, j'espère vraiment que vous aurez kiffé cette vidéo les mecs. Je compte sur vous pour m'exploser cette barre de là qui salement, salement sale, donner des petits conseils dans les familles, dans les commentaires des familles, tu vois ce que je veux dire. Oui ça bafouille frérot, ça bafouille. Partagez la vidéo et vous abonnez si ce n'est pas déjà fait, c'est très important, c'est pas grand chose, appuyez sur un petit like, mais ça m'aide énormément. Donc on se retrouve très très vite pour la suite des aventures de PAF. On a fait notre journée de repos. Le prochain, ce sera un petit match de famille avec notre premier match NBA contre les Phoenix Suns. Donc je vous dis à très vite pour le prochain vidéo. C'était PAF, puis c'est la PVS. Peace!